Monsieur fidèle téléspectateur, téléspectatrice, il y a Canal Congo, télévision, auditeur, auditrice, il y a 96,8 MHz Radio Liberté, Kinshasa, Tokutani, Mokolo Alelo, na dernier numéro, il y a semaine, il y a Mission Nabino, rendez-vous des auditeurs, rendez-vous d'auditeurs, Mission Nabino, peuple, émission, et puis ça, Nabino, possibilité, il y a Kobenga, il y a Kopesa, Makanis Nabino, il y a Kopesa, Baïdé Nabino. Namaka bozali koleka na mboka ya Patrice Emery Lumumba bozalaka ebele hein ebele bofongoli ba télévision na bino ba radio na bino malgré vous là mais bozali ba tu ba chauffeur hein oba benga mingi mingi ba we wana rompwenga ba na kitambo magasin na matadi kibala na zando bozali ebele bondimi po pola mbula mais bolanda émission na bino rendez-vous des auditeurs tozali na bino na ba union so balandaka biso libanda ya mboka grâce à YouTube CCTV Ralik officiel, Tokolobi la Congo pendant une heure. Une heure, il y a échange, une heure, il y a débat, une heure, il y a proposition par rapport à des sujets, vous allez frais chroniques en République démocratique du Congo, des sujets au cœur. Il y a Masso Nabiso, il y a Mokolo, il y a Lelo, aussi la Koué, ces commissions électorales nationales indépendantes, CENI, elles allaient lancer début, il y a campagne électorale. Déjà, c'est dimanche 29 novembre au CENI, Azali a lancé les 19 plutôt novembre au CENI, Azali a lancé campagne électorale. Est-ce qu'il y a-t-il à craindre tout Makambonyo so Ezali pacifié pour être Makamboué les cas de façon transparente, crédible et apaisée? Double déplacement, Yamokundi Yamboka. Félix Antoine, tu sais qu'est dit Chulombo, Azalaki na Ouganda, ou Akutanaki na Molok na Yueri Museveni, puis na Kenya avec William Ruto. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne? La double déplacement, il y a mon Kondiamboka Félix Tshisekedi, puis aussi la Koué, été lors d'une interview où mon Kondiamboka a accordé la Radio France Internationale. Il est assez dit qu'on martelait beaucoup plus sur la situation sécuritaire. On a Est, il y a mon Kanabusso, à l'Obi été Goma et Kozala, jamais conquu par groupe terroriste, il y a M23, puis aussi la Koué, été. Tozali agressé pas il y a terroriste il y a M23 mais c'est le pays le Rwanda il y a Paul Kagame na armée rwandaise on est bazali ko kota na mboka na biso pote ba c'est mes terreurs et désolation PFRDC bazali wana pote ba bouté bango d'ailleurs qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne justement on a double déplacement à Mokonza mboka Félix Antoine tu sais qu'est dit Chilombo Séni Asilagi ko bouclé hein cadre de concertation la lobby, Azalaki, la confession religieuse, SCC, na Senko, Bango, Sidaki, qui ont accordé la violence, na Makambo, Italie, nombre, il y avait électeurs, Senko, na SCC, Monaki était selon cartographie, nombre, il y avait électeurs, Seni, Abimisaki, Azalaki, moi et Bélé, na Oyo, Bango, Sidaki, qui ont fait l'investigation, Zali, sujet au cœur, Yamaso, Nabiso, Yamokolo, Alelo, Tokosolo, la on a bino bolanda rabiso de partout hein, à travers le monde n'a pas invité nabiso déjà ce matin tozali nandeko joseph mbenza oazali moko ya ba cadre ya UDPS tu sais qui dit ndeko joseph mbenza mbote ndeko maxime merci pour l'invitation n'a pécipé bateau nous sommes en bas la plateau mbote n'a pécipé ba congolais nous sur des tout bon mbote. Juste pour nous marteler que l'honorable Socrates Mubenga appelle tous les Congolais au stade de Martyrs le 19 pour le lancement officiel de la campagne à Mokonzi Amboka. Donc, Bissona IDP sur instruction à CG Kabuya. Vous avez une minute, il y a un sujet isolé. Ok, merci beaucoup. Présentation. Merci. Nous allons à Maître Joseph Kajungulu, Oazali, mon porte-parole, il y a ACR. De Joseph Kajungulu, l'homme qui est toujours dans le PEPO. Mbote na yo. Mbote Maxime, Mbote na ba Kongomani Banso, Mbote Bele, Nali, mon porte-parole, Teme Nali. Porte-parole générale, il y a parti politique. Porte-parole générale. Action commune pour la République. Oui, Kambamina capable président, honorable Eliezer Tambo Mposhi, Mwana Lukunga. Merci beaucoup. Tozalina Ndeko Claude Molicho. Oazali, mon co-abatteur politique, Yambo Cannabis, puis analyste.
politique et la République démocratique du Congo. Donc, Claude Maurice Mbote. Mbote, Ndeko, Maxime Mbote, Naba Congomani Banso, Bazakolanda Bissona Miniti, Oyo, même la Libanda Mboka. Na Pessimino, merci parce que j'ai reçu beaucoup de réactions. La dernière émission, tout ça, qui n'a déco. Médard Kankolongo. Surtout, bah, dans la pote, balingaka, vraiment, ou la démission, non, ming. En tout cas, ils nous ont encouragés dans ce combat de vérité parce qu'il y a eu sa cabine toujours que l'okouté, zaka, l'okouta, vérité, côté, la vérité. UDP, c'est ali malédiction, dans mbokoyo. Union sacrée, c'est ali malédiction, dans mbokoyo. Mbokeza, bah, toi, comment, bah, on a pas si mal, si tout le colombo, les bêtes, le colombo. Merci beaucoup, Ndeko Claude. Molicho 082 33 33 749, les numéros pour participer en direct à votre émission. Rendez-vous des auditeurs, des traditions exigeables. Une minute, bien si j'ai isolé, à chaque invité. Tobelin de Claude Molicho. Non, une minute, Nangaï, merci, Ndeko Maxime. Vous savez que le long boule bête à Kinshasa, tout à vendredi. Bana Selembao, Baye Komo Nangaï, Baza Komo n'a pas si toki boule bête. Année dernière, la 2022. Président de la République à Lobaki, après Kokunabi Bemboyo, il y a des fortes pluies hein, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022. Après, peut-être que je suis à Selembao, ma maison préfabriquée, après Kokunabi Bembe. Mais Tilelo, attends un discours na sur l'état de la nation à Lobeli Angote. Je suis à Selembao, toujours à Selembao, boum, makala, funamo, bimana, pesi, bimana, boza la calme, l'okuta, la bango, c'est bimi polele. Donc, souffrance va te passer dans et puis bango, bazo, c'est que moi, que je t'aime bien. Pendant que les gens souffrent, je sais qu'il va tout souffrir pendant le lot, il va foutre à mi-té. Il va foutre à mi-mois passé. Il est là, il va manquer. Liquidité, ça, TV, Nani, Batini, qui ne va pas payer. Papa, tu as déjà le lot, les 17. Tu as le lot, les 17. Les 17, tu as le salaire à mois passé. Mais à l'époque, il y a Joseph Kabila Kabang. Mais on commence la paix avec les militaires policiers, les 13, on la clôture les 25. Avec Augustin Matata Pote. Ata bozo linga kondi ma kabila te. Bile mba kabila za koti kala. Merci beaucoup. On les a moté ma ma be. Merci beaucoup Ndeko Claude Molicho. Ndeko Joseph Mbenza. Juste Kobenga ba Kongole Nyonso. On a stade de martyr. Le 19 de ce mois au lancement à la campagne. Il y a candidat Nabisso sortant en 2023, entrant en 2024. Qui n'est autre que M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, on les a mis là, il y a secrétaire général, relayé par l'honorable Socrates Moubengaï. La deuxième des choses, honorable Socrates Moubengaï, a ebisingana ebisa mokonza mboka par votre émission, qu'il lui apporte son soutien total pour son deuxième mandat, et à l'honorable Madame Antoinette Samba, parce qu'il mobilise au niveau de Mongafula. Où est la circonscription pour que Mokonza Mboka azwa ma voix belé. Mais je voulais dire. Si j'ai isolé, ça n'appelle pas un débat. À ces messieurs kabilistes. Non, il ne faut pas insinuer, ces messieurs, je porte un nom, appelle-moi par mon nom. C'est plus courtois. Donc, c'est plus courtois, pas ces messieurs. Je ne suis pas un monsieur vulgaire. Donc, non, il faut apprendre à respecter les gens. Malédiction. Donc, toi, tu n'as pas vu ça. Maintenant, tu veux monter dans ton cheval. Parce que je dis ça. J'ai dit ces messieurs. C'est une insulte. Quand tu dis que moi, là, je suis une malédiction. Je porte un nom. Merci beaucoup. Toi qui es malembe, toi qui es malembe, il y a. Dernier numéro, il y a semaine. Du coup, Joseph, Kajunou. Oui, Maxime, toute politique où ils ont comprené socialité, il y a les politiques. C'est pourquoi, Ngaï, Joseph Kajunou, je félicite ici un Congolais digne de son nom, à l'occurrence, Ben Carlos Kabongo Yanda, un homme fort qui se bat corps et âme, a mobilisé plus de 40 Américains. Au bas défilé dans Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Goma, pour investir dans notre pays. Américain, pas n'importe quel peuple, juif, britannique, et net, que Paul Kagame, yali banasio, wano, que ça la force naï. Lelo Oyazan à Dubaï, accompagné du directeur général adjoint D.K. Kalombo, justement pour rencontrer un milliardaire américain, Walobi, à Koyaka, Afrique, Témin,
pona ba œuvre ya ba partenaire à Ben Carlos Kabong o ba rassurer dynamisme ya mwana mobali oyo alobi aya na Dubai ka stokutana to mona ni to ko renforcer situation ya transport en commun na RDC. Une bonne nouvelle pour na ba régulateur na contrôler l'esprit de vie au ba konyo comme alelo 65 mois d'impayement. La société Rock Congo oui kambamina directeur général Ben Carlos Kabongo Yanda a pris une décision et les échanges déjà entre la coordination à projet wana pour offrir à ce programme 5000 bis et ba démarche yali déjà Ben Carlos Kabongo. Je te dis vrai ba démarche yali ba partenaire na ba espagnol si va tindi ba courrier la semaine prochaine démarche en ambassade il sera 48 parce que ce sont les hommes bien posés en Espagne délégation ya primature ministère des transports Rock Congo. Trois personnes, tous supportées par Ben Carlos Kabongo, séjour et les transports locaux, pour acheter 5000 bis au Bakopé, ça, projet Esprit de Ville. Voilà, politique, mon cher. Merci beaucoup. Il y a eu la Simabato, Bomi Mbokate, pour nous avoir 10 francs, 1 franc. Je mets quiconque au défi. Qui est le politicien connu de tout Congolais? Merci beaucoup. À celle-là, tu as 1 franc naïe. Donc cela veut dire j'appelle à la conscience de la jeunesse. Travaillons pour le bien de notre pays, ne pas être derrière les individus. Merci beaucoup, Ndeko Joseph Kajimoulou, et demeuré discours tous les là justement matérialisation. Discours au commun, en mode, c'est parce que Bilembo y a déjà. Et puis, on a profité d'un PC basse. Merci beaucoup. 0,82. À travers l'Union sur la société Rock Metal, Mote Bélé. 0,82, 33,33,749, un des numéros. Bino, vous avez une abuse, madame, vous avez un droit, il y a parole, on a rendez-vous des auditeurs. Tout le monde est là, on a maître Ndeko Joseph Benza. Ndeko Joseph Benza, début déjà, hein? Bah, il y a déjà la fièvre, il y a la campagne électorale, c'est 19 novembre, ils allaient pour mandat déjà à dimanche. Est-ce qu'il y a à craindre la campagne électorale tôt, la batterie, on se allait à marche, tout est pacifié? Pour dans tout qui est la campagne mon corps oyo bah puis tout le monde est posé à la tête ma banga ma courbe est à ma candidaté puis campagne mon corps où ils allaient apaiser est-ce que tout est planifié pour dans tout qui est la campagne ou à venir le gouvernement. Merci pour la question, c'est une question mon pertinente dans ce qui est une élection où ils allaient constitutionnelle le président sortant en 2023 et entrant en 2024 Félix Tshisekedi à Kokende na élection accompagné na union sacrée na bateau union sur ma soutien à caille ce que t'as les lots d'éco question est pertinente bisous à niveau union sacrée na idée peste aux hommes menacés mototin tout au cas n'est la paix car on a beau catin mais ils en avaient opposant des bateaux menacés bisous rien à craindre il n'y a rien c'est seulement les discours qui se racontent ici na ba plateau na Kinshasa calfiant des gens de malédiction. Et ils veulent qu'on le respecte. C'est ça, là. Ils ont mal au bas, il y a des opposants. Quand ils ont mis sous ceux qui ont 7 ans, ils ont menacé ces nids. Ceux qui ont coûté une abusotée dans 24 heures, beaucoup de monde est capable de ressentir. Mais finalement, nous sommes dans quel pays? Nous sommes régis par des lois de la République, par une constitution qui établit clairement les règles de jeu. Ce que vous dites, c'est que vous avez dit, cadre de concertation, vous salut. Bon, si ma désidérata la bino. Mais Denis quand il m'a posé la décision, il monte face en haut avec la plénière. Est-ce que rassuré, mais Zéla, non. Il y a des gens qui ont confiance dans la France, les États-Unis pour l'élection. Et ça, Bitumba, c'est au niveau et à degré à préparation. La biso, biso, la IDPS, on s'est préparé pendant 3 ans pour affronter ces élections. On a aligné des candidats à tous les niveaux. Bravo au secrétaire général Augustin Kabouya. Mais les autres n'ont pas que leur temps dans le plateau. Il y a qu'on finit à Chilombo, il y a qu'on critique Chilombo, il y a qu'on salabé lucubration dans la Kinshasa ou dans la télévision. Mais ils ont oublié le temps. Si on a commis un retard, on dit que ma mission n'est pas avoir un temps matériel électoral dans le comité. Ils sont traités là-bas. Ça, ce n'est pas notre problème. Bisson à niveau à l'Union sacrée, dans le bateau, nous sommes accompagnés avec Mokonzambo, quand tout ça, prêt pour l'élection. Mais je m'aimerais rencontrer un peu, moi, Makamsous, qui apprend à Marambaba fonctionnaire à l'État. Bien que j'aurais cadré ces kabilistes, mais je comprends que non, ils s'entêtent un peu. Tokéi. Sous Joseph Kabila, je donne des chiffres, je donne des références et je vais donner des sources. Ce sont la thématique. Tu es la thématique. Il faut la longue la bloc. Désolé, n'appelle pas un débat. Des mensonges comme ça ne peuvent pas passer à la télévision.
aujourd'hui il y a certains fonctionnaires on va aller déjà hier on dit pourquoi va toucher on dit pourquoi on dit pourquoi bazui retard il fallait qu'on incorporait 56 000 agents de l'État mécanisé. Et puis il y a augmentation, il y a bas salaire, il y a bas fonctionnaire, il y a l'État. Le ministre de la Finance, déjà, la dernière communication, il y a un salaire, il rappelle, par rapport, il y a bas fonctionnaire, reconnaître qu'il y a un petit l'État. Moi, je ne sais pas, on ne va pas en parler. Donc, c'est pour dire, Bissot, toujours, tu es mis pour l'élection. Dès qu'on a l'élection, on a ça l'élection, ils ont mis le balai. Ça demande, ils ont la logistique. Ils ont 5 abos à la bataille. Tu vas préparer pour la campagne, tu vas assister, tu es de monde qui, la pré-campagne, ou à candidat, ou sous-sous, va dire qui tabassé, ou y'a pas. T'es, bisous, on a IDPS, tu as condamné violence sous toutes ses formes. Bisous, tu as battu violence, tu as un peu besoin, tu es. Bisous, tu as préparé pour gagner l'élection. L'élection, tu as gagné en gros. Tu as là, par exemple, le VPM Jean-Pierre Bemba. J'ai été content, il mobilise tous les notables. Tous les hein, il y a espace grand notable député aujourd'hui Augustin Kabuya aujourd'hui Kassai grand Kassai aujourd'hui Sam Malokonde. Donc c'est comme ça que les gens au moins les bateaux basa prêt pour l'élection au moment où on agit on a action. Donc les gens se mobilisent mon condamné Kazo qui t'a dans quelques jours ici l'espace grand corps équateur pour aller. Mais les autres ils sont où donc mon déco journaliste ma bémoko et koyana mokate élection et salama campagne électorale et salama toujours 5 années na pouvoir public ayeba ko sécuriser et les candidats président de la république députés nationaux députés provinciaux et puis ba conseiller à tous les niveaux et puis ba population ba ko kende yo ka ba meeting et loko tozo senga na ministère ya communication ba message na ba télévision il faut ba filtrer ngona ba réseaux sociaux. Toujours le belaga dans la télévision, mais ce qui est très dangereux, ce sont des messages sur Twitter, Instagram, dans les réseaux sociaux, même sur WhatsApp. Donc, cette période cruciale, il faut vraiment que tu la mis sous tout le service, il y a renseignement et sécurité civile et militaire pour que tu filtres le message. Et le répète ça, mon Tézani. Merci beaucoup. Et ça, Maloba. Merci beaucoup, Ndeko Joseph Mbenza. Ndeko Claude Molicho, dimanche déjà. Démarrage, hein, il y a campagne électorale. Est-ce qu'il y a à craindre? Il y a des qui pré-campagne et les cas qui n'ont nous campagne proprement dite. Et Zobanda, mon collègue, dimanche. Est-ce qu'il y a à craindre? Bien, nous allons comme moi, déjà tout est pacifié. Nous allons qu'il y a ma ponane. Tout n'est pas pacifié, il y a beaucoup à craindre. Ndeko Maxime, il faut que vous invitez Nayo, Mbenza et Joseph Yahi de Pes, que vous avez fait un fingaté. Vous avez fait un Nous venons critiquer sa mauvaise politique publique ou ses mauvaises politiques publiques. Nous venons critiquer. Moi, j'étais bien éduqué par mon papa et ma mère. Je ne viens pas ici pour injurer les gens ou les autorités. Mais quand vous faites rien et vous dites que le pays va mieux, ça nous scandalise. Tous en apostat à quoi vivre en Allemagne, en Afrique, et vos hommes sont sur la RDC, la République démocratique du Congo. Allemagne, tu bois un mot. Oh, Allemagne, oh. Avant de faire mon mandat, je vais faire les Congo deviendra comme l'Allemagne d'Afrique. Togo et Allemagne d'Afrique. Bozong service la RDC. Souffrance et l'équipe à casse. On lui augmente le salaire. Pas fonctionner, pas en Dabiso, pas belé. Pas enseignant qui va réagir à Kilokuta. Vous avez augmenté à quelle hauteur? Salaire va fonctionner. Il y a à craindre. Faut pas venir mentir ici. Alors ils sont comme la menace. Oh, il est pêché, il est pour menacer. Mais Fayoul vient de casser, non? Peut-être que tu n'étais pas informé. Je t'informe que le cortège à Fayoul a été caillassé. Mais menacé par toi, Zoki. Voiture, ils allaient endommager. Ils allaient banane. Ils allaient nous mettre à l'île de Donc, il ne faut pas venir raconter votre vie ici. Nous disons que ce pays n'appartient ni à l'île de Pêche, ni à l'Union Sacrée. Ce pays appartient à tous les Congolais. C'est parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui et vous ne serez pas éternel au pouvoir. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, monsieur. Vous allez passer et vous allez passer. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Je reviens ici. Mon cher, il y a beaucoup à craindre, Ndeko Maxime. D'abord, sur le grand principe. Il ne peut pas lancer campagne des FT. Sur le grand principe, Maxime. Pouvez-vous comprendre que le ministre est en fonction de la gouvernement de Zawarior? Il ne démissionne pas et il va aux élections comme ministre, comme candidat député national. Il y a un candidat député provincial, un ministre. Il y a un cortège, un véhicule à l'État, un carabinier à l'État. Va garder va va policier ou va accompagner dans le terrain. Il y a l'État. Mais pendant que vous êtes candidat, vous n'avez ni la moyenne à l'État, ni la moyenne de soutenir. Vous êtes compétitif, parce que les élections sont des compétitions. Non, écoutez, n'a pas qu'il y ait point par point. Moi, Claude Molicho, je ne viens pas ici, je ne suis pas contre quelqu'un.
Il ne pèse à l'accès de médiocrité, vraiment, et l'autre côté va être sur le plan changement. Pendant que, à l'époque, il y a Joseph Kabila Kabang. Non, non, c'est son temps qui sont à pouvoir. Il ne pèse pas sacré. La sangue, c'est pas moi sur la Nzungu, mon corps. C'est son temps qui sont au pouvoir. Parfois, Kabila nous a bloqué, Kabila nous a bloqué, Kabila nous a fait ceci. Mais c'est Kabila qui vous bloque aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre que ministre, les ministres du gouvernement soit disant, alors que la campagne en tant que candidat député national, candidat député provincial, il n'y a pas égalité de chance. Et ils ont conçu cette loi-là à leur faveur. À l'époque, Kabila demandait qu'on a même premier ministre à démissionner qui. Mais mandataire, bon, écoutez, je parle de ministre en fonction. On a vu à l'époque de Kabila, Moussite était premier ministre. Patika qui, Koyagalo, comme premier ministre intérimaire. Koyagalo n'était pas candidat député. Moussite était candidat à la Kikwit. Moussite allait battre la campagne à Kikwit en 2011. Mais où y a le régime à Tshisekedi, tu évites ce que tu as dans Mboka Ninyango. Mboka est comme le cola, Yabango. Non, écoutez, je suis en train d'avancer. Problème, ami Balé. Mon Ndeko Maxime. On a la CENI jusqu'aujourd'hui, la CENI nous parle des listes provisoires. Jusqu'au quand? La loi dit que vous devez afficher les listes, alors bien au bon les obéta. Tu vas afficher, tu vas la liste. Mais c'est pas votre problème. Respectez la loi. Afficher les jours. Non, comment devez-vous en provisoire à la veille à campagne, à la veille à campagne, tout ça va provisoire. La liste est provisoire. Ça ne se comprend pas. La loi vous dit quoi? Vous devez afficher combien de temps? Il faut respecter la loi. Pas de problème, ma carte est d'électeur. Il y a encore des éléments qui sont en train de se faire. Il y a 10 dollars. Il y a 15 000. Il y a 10 000. Il y a un chef de l'État qui est en réunion dans l'hôtel Fleuve. Il y a un chef de l'État qui est en train de se. Non. Il faut sanctionner. Osez duplicata. Mbongo, écoutez, ne m'interrompez pas. Vraiment, ils sont très nombreux et ils sont très sérieux, plus intelligents que nous qui sommes ici. Alors, posant la budget à 16 milliards, Kabila a un budget à 4 milliards, à Salim sur la carte à Kitoko, tirez leur carte à 2006 dans un ango. Il y a 2006, il y en a mal au loin. Mais oh, il y a bien au caca, et ça, attends, aussi la carte à papier, aussi la carte à livre. Et carte d'identité quand même. Et ton zanin. Bah, le bac, carte d'identité au mois de juin ou juillet. Tout comme il y a l'heure de novembre, décembre, décembre. Bah, le coûteur, il y a des pèses, le coûteur, tu vois. J'avance, dès qu'on a maï. Bozan, d'accord, cité, ou pèse, c'est un belé. Cité, d'accord, c'est un belé. Mais, bah, comme on a maï, c'est un belé. Et ça, il m'a oua. Bon, la même fois. Il y a des pèses à pouvoir. Maxime, vous avez 16 milliards. Qu'est-ce qui empêche que vous imprimer? Attends à Congo, attends la Banque Centrale, pourquoi imprimer? Vous avez 16 milliards. Budget Kabila fait 4. Kabila a dit ma paix, on va s'envoyer. Bon, multiplier. Bon, ça va 4, c'est normal. Donc, on peut se gymnastique, belé, natika misala na zanango, na kele kwa kade, libre kata. Bah, il y a les cas samedi. On l'a dit samedi. Semaine, les cas samedi. Assez à l'embongo. La bête, c'est pas tout. Assez à l'embongo, 10 dollars. Ou bien après, 15 000. Aïe, sur les cas samedi. Samedi, on 4 et au Zokango. Nathalie, c'est ça. Il dépense l'état des droits peuple d'abord à Hegnango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je termine par là. Je termine par là. 10 secondes. D'accord. États-Unis a aussi la communication. C'est très important, Maxime. À l'objet, le gouvernement congolais a assuré égalité des chances à tous les candidats engagés à cette compétition électorale. Ceci comprend la protection des libertés d'expression, liberté de mouvement, liberté de rassemblement et de presse. Avec tout le contexte que vous voulez, vous pensez que vraiment, Bakanda va contre la liberté de mouvement, liberté de réunion. Merci beaucoup, Ndeko Claude Molicho. Maître Joseph Kajungulu, est-ce que début, il y a campagne où vous allez au Banda dimanche, et que ça va sur fond des crises, Tonini. Toponayo, déjà, il n'y a plus rien à craindre pour la campagne électorale sur Banda dimanche. Tout est pacifié pour la campagne, c'est le cas. Vraiment, avec dans un climat apaisé. Et les Canadiens, un climat apaisé. Oui, au quoi Banda Ndeko Claude Molicho, Joseph Kajungulu? Ah oui, merci. Apparemment, micro Isaki à Kokanga, depuis le début. Apparemment. Donc, nous sommes à l'Obak et Kanga Milisous, donc les aléas de direct. J'estime que, Maxime, je suis obligé de reprendre tout ce que j'avais parlé au début. Ce que je peux dire, Batoubandeko va comprendre. Et au Kobanda, parce que c'est. Ouais. Oh, il bosse derrière les kaki. Ok, ça va. Pour moi, la micro. Et l'eau qu'on a lobby, ils a fond. Et l'eau, on a lobby, ils a pour Maxime.
Bon, na lobi boye ndeko Maxime, na landi bande ko nangai, nous sommes à un moment oyo ba kopotana ya mike mike neti bana mike ya lienti nate, ba toba ko landa biso nous parlons d'une question très importante liée à la vie nationale d'une nation. Awa toali na article 73 de la Constitution. Oyezol bana biso que le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président en place. Mais on est là ici totalement et clairement que le Oyo va doute nyonso bato bazaki nango par rapport à ma ponomi, il y a les sous-souté toko kende ma ponomi. Ça c'est clair. Mais votre question elle est très pertinente. Vous dites que est-ce qu'il y a crainte ou bien tout est pacifié, il y a les climats de paix, nous partirons aux élections comme les acteurs, les adversaires politiques et non pas comme les ennemis. Pour Tali Bangounete, au moins dans la politique, il fallait que l'on a casqué un micro pour s'attaquer au Fingakabat. Qui pouvait croire qu'un jour, tu vois quelqu'un comme on a Martin Fayoulou à côté d'Emmanuel Chadari en train de faire la marche dans ce pays? Qui pouvait croire? Cela veut dire ici, nous devons être responsables. Voilà maintenant la crainte de nous autres qui avons le... Donc, créer des alliés. Y aller. En tant que tout mouvement électoral ne manque pas de contraintes et la crainte là-dedans. Pourquoi je l'ai dit? Denis Kadima lui-même, à l'objet, il y a l'in à Batouba Kotounisye Boutou Pokwa Tongo Balobi Naye. Denis Kadima, Nazana 50 000 pour nommer un député. Il y a beaucoup à l'objet que Bamoussou Balobi, oh, Denis Kadima est trop dur, mais à Kolemba. Mais Bissot Asseur, Action Commune pour la République. Autosito, oh, candidat à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kampanganzevu. Tolobi Boye. Kampanganzevu. Et lequel est ce problème là, c'est non, j'ai dit bien Fati Kampanganzevu. Cela veut dire qu'il y a une zété Oyo. Pour la copicolango, il faut que Zambé moko abaxilo mo amakazi. Pour picolanzete, on a Kampanganzevu. Et l'autre lobby à l'inin. Nous avons les jeunes gens qui se battent midi, matin, midi, soir, pour se faire élire et amener les grandes réformes pour le bien de ces pays. Mais en abattoyo depuis 1960, tous en a nous banné miké na ba école ba teyelo. Toko tanga bango na kilasi. Maxime, malheureusement, to komi na bango acteur politique. Bokomi na bango baba sa bino. To komi ba capable ba camarade pour pas na biso to binga na ba capable. Oui. To komi na bango neti ba camarade politique. Pendant ces temps, une étude psychologique aux États-Unis démontre ce qui moto sa sali 10 ans de fonctionnement. Ali nous sommes à Kaboshi naie na Bongo naie. Ana nous sommes là quoi malonga ou encore pensa pour na bolamo ambo kati. Yango biso to lobi boy na Denis Kadima. J'ai aimé sa déclaration. Denis Kadima lobi. Là je suis au niveau des députés nationaux et je vais citer pour les candidats présidents ce qu'il y a à craindre. Moi je ne peux pas suivre les hérésies parce que un, ce ne sont pas des hérésies mon cher. Ce ne sont pas des hérésies. Claude, moi je te respecte. Faisons cette émission est publique. Nous ne sommes pas dans nos chambres à coucher. Si j'ai dit ceci. Claude, en tant que co-débatteur, je te respecte. Respecte-moi. C'est que j'ai dit qu'il ne t'arrange pas. Oh, tu vas réagir. Tu sais quoi déranger l'émission? Pourquoi je l'ai dit? Un, le peuple perdu ne s'est fait même pas rôler. Oh, c'est pas du peuple perdu. Bon, je ne te cite pas toi. Sois calme. Les journalistes pro-Kingakati, qui est en face de moi. Les journalistes pro-Kingakati ne s'est fait pas rôler.
Emmanuel Chadar. Je me suis fait enrôler. Il y a un peu de candidat. Emmanuel Chadar, ne se sont pas fait. Moi, je me suis fait enrôler. Je me suis fait enrôler. Moi, je ne te suis plus. Parce que même tes électeurs. Non, moi, je suis plus là-bas. Moi, je suis plus dans les débats. C'est pourquoi nous mon ami Colonna, évoluez. Ce débat, il y a j'ai la carte d'électeur, évoluez. Nous avons les choses à donner pour la République, mais Moutouazou a quoi mourir. Bon, Naboy, secteur, moi j'ai ma carte d'électeur. Ce qui a craindre, c'est quoi? Ce qui a craindre, c'est quoi, Maxime? Nous voulons que dans chaque circonscription, qu'on nous produise les meilleurs élus. Moi, je viens du Grand Katanga avec les grands investisseurs. Commençant par péage à Lubumbashi. Jusqu'au fin fond de Kolwezi. Maxime, vous regardez l'état des villages et vous réfléchissez 18 ans du règne de Katanga. Permettez-moi, je ne suis pas tribal. Parce que Kabila, quand il était là, Joseph Kabila. Non, il hein? Oui. Kabila Zakiwana, il Katanga ne basati vraiment. Il y a un poste clé. Mais il y a un poste clé. Mais il y a un village. Il y a un Maxime. Il y a un poste clé. Il y a un rideau à Pamba. Mais il y a une grande richesse qui passe sous les yeux. Je cite. Mais Karamingi, moi j'étais là à Kolwezi. Félix Tshisekedi venait d'inaugurer les ponts basculés qui fait passer maintenant tous les remords qu'on appelle là-bas trac. Merci avec beaucoup. Les minéraux précieux pour que l'État congolais bénéficie à Tonga village avec les maisons. Voilà maintenant ce qu'il y a à craindre avec les candidats présidents. Là, j'étais même les ministres. Je cite, s'il vous plaît. Ce qu'il y a à craindre, je vais revenir. Ce qu'il y a à craindre pour les candidats présidents de la République. C'est trop grave et je vais revenir sur ça. Merci beaucoup, Ndoko Joseph Mbenza. Bon respect à Rabaton, on a dit que Sabino, bon débord à raté. Donc, Moutoumoro, ça c'est supérieur. Alors, aujourd'hui 5 minutes, aujourd'hui 4 minutes. Donc, pas question de dépassement, tout respecter principe. Il y a émission, il faut partager. Il y a temps, il y a équitable, équilibré. Mais PCP, Moutounayo, conseiller à dire à Jacaté Tamobat, conseiller lui. Ndoko Joseph Mbenza. Aussi le courant de là, ben, élément justement avancé par Claude Molich, ils avaient qu'on garantit mais vraiment climat et a apaisé pendant la campagne électorale. Ils avaient qu'on a les 19 novembre, donc dimanche. Et puis, Macambo est à la situation sécuritaire. Tu feras d'une pierre des coups. Premier sujet, deuxième sujet, Zali Makambo est allé sur son sécurité, Mokonzambo a effectué double déplacement, Ouganda, et puis Kenya. Que gagne la République démocratique du Congo dans le déplacement? Il y a Mokonzambo à un mois, il y a Maponami, Mboka Nabiso à Congo, tout ça, qu'on a Mokonzambo dans son intervention, il y a RFU à l'Obi était. Le balisus ou thé maramoua théoriste et M23, mais armée rwandaise n'est pas allé pour agresser, puisque Marco Kokabu sauté avec cette montée en puissance et un phare d'essai. 5 minutes, hein? Vous avez 4 minutes. 4 minutes, 30 secondes, on va rebondir, mais Yébissa s'agitait. Atikabusoto Loba, ici nous ne sommes pas venus faire de la blague, des gymnastiques et du théâtre. Janvier 2019, Félix a joué pouvoir. Tout à dollar, ils allaient qui 1638 pour un dollar. Et dans la même période, un fonctionnaire au Azali, na EPST Azali, qui payait à l'équivalent de 97,47 $. Dans novembre 2023, salaire, il y a enseignant, c'est 408 000 francs. Dans tout à dollar, 2600, ce qui est l'équivalent de 157,18 $. Tokéi. Kabila qui a titi la fonction publique 384 000 agents non retraités, 220 000 agents NP non payés. Ce qu'on m'a dit, il y a un monsieur sur le plateau ici qui nous parle de ces messieurs. Félix, aujourd'hui, il a aujourd'hui 200 000 agents qui étaient NP dans la période à Kabila. Aujourd'hui, on est à 200 000 bakotin à circuit à bancarisation. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 retraités. Et puis, pendant Kabila, il y avait des retraités de 100 ans, de 90 ans, de 80 ans, de 70 ans. Aujourd'hui, sous Mata Tampone, le dernier huissier était payé à l'ordre de 2 000 $. Aujourd'hui, un huissier payé à l'ordre de 8 000 $ déversé dans Saint-Sap. Tout cas, on en a trace. Ce qui est grave, Kabila a tiqué 3 500 retraités. Félix vient d'honorer plus de 1250 retraités là-bas. Allez voir là-bas.
Mobutu aki atika 37 bateaux, Kabila atiki 0 bateau. 8 trains. Oyebi ke Kabila kenda na kisanga na. Bino ba kisima bateau, ba kisima train. Nazoya, nazoya. De yabo yabo ba bino ba kisima bateau. Nawoya na wana société nationale à chemin de fer. OK bo, oyebi ke Kabila na matata pono na kisanga ni ba inaugura locomotive sala 1 mètre kufati lelo. Vous le savez. Bino botia c'est. Félix Ayé a sombi 20 locomotives na société nationale à chemin de fer. 100 wagons. Les airs Sika, tout neuf, Nazolo Bassou réserve, à son 4 vedettes dans Sud Kivu pour nous permettre un transport fluvial. C'est simple. C'est la fin à mission mandat, présence dans le militaire. C'est la fin, c'est fini. Le 8 décembre, ça n'est fini pour eux. Les gens critiquent à tort et à travers. Bato Basali Batangi, organisation internationale. On a tous un niveau où Félix Akendaki est allé à un niveau bilatéral. Mais niveau multilatéral, c'est l'EAC. L'EAC, c'est une organisation sous-régionale. Batouba est bagaté que l'EAC, ce qui est au Kotaka et à Ngote, en cas de guerre contre le Rwanda, tout EAC va au côté de la Rwanda. Aujourd'hui, ils ne seront pas capables de le faire parce que Bissopet est allé à l'EAC. EAC, aujourd'hui, on peut critiquer EAC, oui, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais il y a des choses qui ont marché avec l'EAC, avec les contingents burundais. Aujourd'hui, Kibati, ils sont entre les mains de nos militaires. Aux Mouchaki. Aujourd'hui, à double déplacement, mon conseil, il faut plutôt comprendre que le RDC est gagné, c'est-à-dire retrait, il y a ma force, notamment EAC. Je vais dire aux Congolais. Tant que Sultan Makenga a kaké Bounagana, il a fallu 4 jours sur Sultan Makenga pour récupérer Goma na Bukavu, sous Joseph Kabila. 4 jours. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont deux sortes de guerre. Tantôt, Basangi, doctrine de la guerre, une école de guerre, ou bien science de la guerre, il y a la guerre d'Isure et la guerre éclair. Kagame nous croyait qu'à l'époque de Kabila, on est en obé tabango facilement, à Rokotane Goma na Bukavu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous êtes dans le nord Kivu, si vous êtes au Koutina Kibumba Lelo, c'est là où se passent des affrontements. Et de l'autre côté, dans Rwanda, ça fait peur aujourd'hui parce que la guerre commence à s'approcher des frontières terrestres. Si vous êtes dans le après au Kérumanga, ou si vous êtes dans le nord Kivu, dans le Goma, ils ont cru qu'ils vont prendre Sake et s'imbiter. Mais aujourd'hui, qui relie, et ça entre nos mains. Qui relie Rwanda pour monter vers Kichanga. Donc, c'est-à-dire concentration à Babitumba. Vous voyez que nous avons formé 15 brigades spécialisées, mécanisées. Vous comprenez? Aujourd'hui, les équipements, ce qu'on a dit, les lots, nos militaires, bataillon Guépard, aussi sa formation, tous convergent vers l'est du pays. Donc, Kimia, donc c'est-à-dire, nous sommes en guerre. Pacification est-ce nous sommes, quand même nous sommes dans un état, un état de fait. Moi, je dis des choses vraies. Vous comprenez? Aujourd'hui, Kagame n'a plus le monopole, il y a orientation à guerre à l'Est. Ce que vous avez dit, ce que vous avez manifestation comme il y a Rwanda. Parce que leur fils qui rentre au Congo, ils ont une vivante. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire, les choses sont en train de faire bravo au commandant suprême, bravo à notre armée, bravo à la population de l'Est. Merci beaucoup, Ndeko. Joseph Mbenzaneko, Claude Molicho. Dans une interview à Mokonda Mboka, Mokonjamboka va bien si la possibilité de déclencher, de faire la guerre avec le Rwanda. Mokonjamboka l'obé était déjà par rapport à cette agression, l'obé qui est déjà communauté internationale, ce qui a monné l'eau, vous allez comme ça à Maté, nous allons nous prendre en charge. Ndeko Claude Molicho, double déplacement Mokonjamboka, qui gagne la RTC. C'est encore des déplacements inutiles. Oyo Congo, ils ont perdu Mbongo et après des missions. Vous savez que le chef de l'État, chaque fois qu'il voyage, les caisses de l'État sont. Non, pour l'avantage des alités, donc déplacement, on a mon boulot, c'est que le chef de l'État, on va déplacer des passara. Qu'est-ce qu'il y a un mot et villa. Ils allaient encore partir, parce que chaque fois déplacement, ils allaient mission. À Kenya, Ouganda, pas à Mousseveni. Mousseveni, vous avez un côté M23 dans Bounagana. Peut-être qu'il y a des pèses, ou bien il y a des pèses, peut-être qu'on s'en va, il y a ah oui, bravo, mon commandant. Comment c'est premier mot lui-même, dans l'interview à Sali, l'interview qu'il a réalisée hier avec nos confrères de France 24 et RFI, il reconnaît son incapacité d'organiser ou de faire organiser les élections dans Rutshuru, dans Masisi, même dans Naniam. Il reconnaît. Est-ce que. Alors qu'on y est, vous y êtes.
Oh, bado formé. Oh, bado salaire, oui. Oh, ce qui Kagama maintenant que Beta Bango. Kagama Beta Bango. Kabila Kabang le Raïs. Moussaïda Koutoka Djou. Binguni. Oh, il Binguni. A défenestré les M23 militairement. Moussa Yamisa a permis à Félix Tshisekedi. Pas diplomatiquement. Militairement. Pas diplomatiquement. Il a collé la caca. Oh, ce qui va salir. Ce va bêti, mais il dit ça c'est dans Goma. Donc on réagit. Parce que Babette a dit ça c'est dans Goma. Pour il dépêche à réagir. Babette a dit ça c'est dans Sake, à 27 km de Goma. Pour il dépêche à réagir. Baza Kozela. Pour la nyonce d'Akongote. Bounaga na Kongote, Ruchuru Sante, Kongote, Kilorule, Kongote, Kitanga, Kongote. Non. Côté à Ben, écoutez, mon plan, il place, ma def, ma zako, ma batou. Karande, ma attaque dernière, les attaques, il y a lundi. Karande, le bilan a été revu à la hausse. Bango, il dépêche, ma zako, il bango. Mais quand il va partir, il va retomber, il y a double déplacement, il y a cause à la paix. Retomber, il y a un retrait, il y a EAC au binôme. Retrait à Wapi. Papa, le 8 décembre. Nous, on a été parmi les premières personnes à dénoncer la façon dont nous avons adhéré à l'EAC. Il fallait pas aller là-bas. Nous avons l'expérience avec la SADC. Il fallait même aller à la SADC. On aurait gagné le temps. Mais bon, on va pas sauter. Oh, t'es, il y a autour de moi, ok. Ce qui va toi, de la SADC, et non, il y a assez de temps. Mais on a vu un militaire kenyan, commandant à la force, il y a assez. Alors, ça va se faire en 23. Selfie, il va être à la boîte. Pas trop de bourrin. T'as combien de bourrin? Selfie, Bazakobina. Pas bien, c'est bon. Ici, il y a un musicien, on a bossé dans le Bazakobina. Pourquoi je vais faire un musicien à Congo, Mingi Patuan? Alors, au moins, le Kouta, la Bango, il dépêche le Kouta, Zaka, le Kouta. On nous a dit ici que non, il faut que le M23, avec la communauté, parce que Bango, la communauté internationale, a réagi. Président de la République, il y a un ami de l'Okaka, à qui a allé, à qui a allé. On va aller à la Kate. Mon bon la bunda. Est-ce qu'il y a un souci? Il y a un mot capot à tout défendre. Ma déplacement là, ce n'est pas le souci. Il y a un mot capot à pèse à la restaurer après plusieurs décennies. Bon, vous allez être vous allez Kobima pour rien. Pour rien. Nous, on avait dit Kabila, vous allez guérir une armée 8e en Afrique. Par le vite armée infiltrée. Mais si c'est que lui-même avait reconnu quand il avait pris son pouvoir en 2019, qu'à Kouta qui armée organisée structurée. Organisé. Oui, donc vous voulez gagner. C'est quoi l'élo et comment désorganiser? Oui, vous voulez gagner. On nous a dit ici qu'avec l'appui de la communauté internationale, les M23 seront cantonnés au centre de formation à Rumangabo pour être pré-cantonnés à Rumangabo et cantonnés à Kindomanyema. Papa, c'est l'histoire récente. Ti l'élo, M23 à pré-cantonnement. À respecter, va faire des choses. C'est quoi l'élo? La loi de la PT. FRC, toi respecté. Merci beaucoup. On peut s'étendre. Délai de Malembe. Toi qui n'as pas d'ambition. On se prend en charge, mon gars. Vous allez comment dans ma cambo, on a mis sous nous, il y a un déplacement à Mokondi à Moka, dans ma campagne, vous allez Kobanda, élection dans un mois, à Tokene, Bayimboka, Bokene, ma Ponami, est-ce qu'il y a un loco à capitaliser dans un double déplacement à Mokondi à Moka? Maxime, j'ai combien de minutes? Vous avez 5 minutes. 5, merci. Nazo Zouadé pour ma cambo, élection, 3 déplacements à Mokondi à Moka. Dans le Biboy, ce qui est à craindre, ça, c'était votre question principale. Là où est Taliba, candidat président de la République. Et Ali, un, chaque président de la République, Ali, n'a ce que tout bien qu'à maison civile. Bisso, pense au Toyebi que Moïse, son père, est un juif. Et les autres disent sa maman, elle est congolaise. Je concède. Cela veut dire, moi, si Naï Ali, ou burundaise. Sauf que Moïse Ali, qui est président de la République, c'est que nous craignons, nous, Congolais, c'est quoi? C'est que maison civile à Nekozaka n'a pas juif, n'a pas ougandaise. Oh. Ça, c'est un point. Ce qui a grandi, Matata Mponyo, président de la République, à Kolongola, n'a pas gratuité de l'enseignement. Et puis, et l'autre,
Kobanga Suzani, na landiye sur top Congo na tongo. Nous avons craint de la campagne électorale à voir. Écoutez, oui. Matata lobi, tozana plus de 80 millions de terres arabes. Je concède, ça c'est une réalité. Alobi, ma Congolais, ma Koko Fanzel. Mais dossier Bukanga Lonzo, va renvoyer à 3 mois, non? Va peser que 20 millions. Donc, ton monika ka Bukanga Lonzo est koufi, mais affaire Mokobo et Bandi, école de la maternité jusqu'à l'université. Cela veut dire, Moutounet Yowana, Alisuna discourte. Voilà encore ce qui a craint. Aujourd'hui, vous avez, messieurs, docteur Denis Mukwege, que nous respectons notre prix Nobel. Prix Nobel de la paix. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce, Yakusunga Bambama, et aussi, Sokole l'autre imposé Kimia, comme Jean-Pierre Mbemba Ngombo est en train de nettoyer le ministère de la Défense, au sein duquel a coûté 23 comptes. L'armée, avec 23 comptes bancaires. Aujourd'hui, tous les comptes nettoyés et traînent à compte Moko. Et l'ordre qui est en train d'être mis dans ce secteur. Totien Souki Sanabitumba Oyali, communauté internationale Mobimba derrière un petit pays. Dossier à Est. Le Congo est seul face au monde entier. Ça, c'est la notion qu'il faut intérioriser. Quand les gens viennent ici avec ces. Ce n'est pas en ouvrant grandement les yeux, ce n'est pas convaincre. Ce qui a craindre dans l'élection Zako Yezake, yo papa oyo baponakate. Tout le monde est sous ce n'a parlé maté. Ce qui a craindre, nous demandons à Kadima. Papa va pour la rater. A abimisa, ba résultat, yabat oyo réellement peuple à poni. Et vous avez le soutien de la sœur. C'est quoi zo mon nom? Moi, je ne mets pas mon énergie. Ça, je ne sais pas pourquoi. Chef de l'État Tindie, comme candidat à mon énergie. Chef de l'État, c'est pourquoi mon ami Félix ne se mixe pas ni dans la situation de la justice, ni dans la situation il y a élection. Mais souci, c'est un boy. Ma position est en perte de vitesse. On va éviter déjà que Bakoka Kemanama Ponomi laisser d'instiquer la population. De soulever la population contre la guerre tribale. Lorsque nous prenons les grands Katanga, chers frères, 18 ans, Kabila président, et les Katanga dans des meilleurs postes, mais vivent, allez voir au Katanga, les gens vivent dans la souffrance qui ne dit pas son nom. Il y a des avenues que moi j'ai constatées, je viendrai ça avec une émission, moi-même avec les images, 18 ans, Batikal Komonata. Donc, Kaya Sata, il y a brouette mon côté. Voyage à chef de l'État. Moi, je réitère ici la position de la sœur. La sœur, dès le début, nous avons été toujours contre la présence de l'IAC. Tu connais, tout ça n'a pas émis. Nous avons un sacré. Malembe. Bisso, à sœur, Toboyango, avec les arguments solides. Mais topé ça, ton lobby. Yalina Bato, Bako, Yenge, le service de sécurité. Et les chefs de l'État, ils savent les raisons pour lesquelles ils sont adhérés. Nous avons respecté cette position. Mais nous, en tant qu'asseurs, ces gens-là tous sont des nilotiques. Je ne vois jamais un Kenyan tuer un Rwandais. Ça, c'est de 1. De 2, je ne vois jamais un Rwandais tuer un Somalien. Ils sont dans cette solidarité diabolique. Et connaissant que souci n'a pas lié à Kotia. Un pays tampon, il y a RDC, zone tampon, zone pour se sécuriser. Voilà, maintenant nous disons ceci. Bravo président de la République, bravo au premier ministre, vice-premier ministre de la Défense. Pour n'avoir unité spéciale, tu conformes en tant que spécialiste en matière de sécurité. Merci beaucoup. J'ai vu les unités formées. Au moins, il est logique. Pour chiter. Non, mais merci beaucoup. S'il vous plaît, 30 secondes. Non, merci beaucoup. Pour chiter dans le lobby boy. Bah, américain, bah, lobby. Il y a le lobby, ma camoufle américain. Les deux commissions, il y a un concret américain. Bah, lobby, quoi. T'as pas dit qu'on soupçonnait ma pounomiwana. T'as dit que tout le monde est clair. Question à Bangoué Zanine. Ils ont compris que chaque fois qu'il y a un Congolais de chouche à la tête de ces pays, comme Kabila, comme Joseph Mobutu Sese Seko, comme Kassavou, comme Kambo Kabachango, merci beaucoup.
Nous sommes seuls Congolais face au monde entier, surtout avec l'existence de lithium. Surtout lithium. Lithium met les Congolais dans une position de faiblesse. Apporte les paroles. Mais c'est toi qui dérange Molicho. Cadre, il y a un parti politique. Mais porte-parole général. Conseil d'abord, Moïse. Candidat député. Il est candidat. Cadre. Y a... De quel recrutement? Cadre. Y a... Donc, bon, respecter, bah, il m'a dit qu'on a vu tout le temps un message. Il y a Imboka pour un moment à Bango. Bonjour, journaliste. Je vais dire à Molicho qu'à l'époque de mon père, qui, agent à la DGI, touchait plus ou moins 700 000 francs congolais. C'est les salaires, là, on sentait que le papa est payé seulement un mois ou deux jours seulement. Puis la souffrance commençait. Mais aujourd'hui, mon père touche 5 millions de dollars américains. Donc, vient de nous casser la tête avec le nom de Kabila, qui est un diable pour la RDC. Il dépasse le coup de temps à l'Okutaka. 5 millions de dollars, non, c'est 5 millions de dollars. Il y a un moment où il y a 30 000 km de route. 30 000 km. Le combien de moment il y a un téléspectateur 30 000 km de route. S'il vous plaît. Il y a un peu de temps à l'Okutaka. Il y a un peu de temps. Bonjour Ndeko Maxime, Chilombo a échoué sur toute la ligne. Tout contenir un message. Bonjour mon frère, il faut reconnaître que même Moussala, Joseph Kabila, Salaki, Lelo, Lwala, Batouenyo, Sacré, Baza, Kobete la tolo ezaba œuvre laissée par Kabila à travers Mouyège. Ce qui a tikaki code minier oyote lelo yemoko a bénéficié te bolinga ki bobandela wapi wilema depuis commune ya limité. Bonjour Ndeko Maxime, c'est Fabrice Makabu depuis Kisenso. Claude Molicho, tu es mal placé pour critiquer l'IDPS. Joseph Mbenza, toi non plus pour critiquer les PPRD car l'IDPS et les PPRD, vous êtes blanc bonnet, bonnet blanc. Le malheur de la RDC, le PPRD, il dépèse. Bonjour mon frère Maxime, est-ce que Kabila ne peut pas être désigné même facilitateur dans un conflit de foyer? Molicho défend voyage à Dubaï, Oyo Maman Olive, Amemaki Bango, Kuna, Ndeko Maurice, Komelibusso. Bonjour Ndeko Maxime, Kamere en Arabie Saoudite a dit que les auteurs de troubles à l'est du Congo, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Mais le deuxième sénateur à vie sur RFI n'a pas pointé le doigt l'Ouganda au moment où, dans les rapports de l'ONU, l'Ouganda se trouve dedans. Il y aura les élections le 20 décembre car le fournisseur, notamment la Chine, Corée du Sud, l'Afrique du Sud, n'ont pas encore donné le matériel électoraux à la CENI. Ndeko David, depuis... Galiema, bonjour Ndeko Maxime, le fichier électoral est corrompu. Napesi Martin Fayulu raison. Ndengeni ni Kadima a lancé campagne. Bakombo na Bisso et Bungi na fichier. Céli Matumona depuis commune. Ya Lingwala. Bonjour Maxime, na yebite soki Molicho a botama wapi po a komi wapi. Aza Goloba mingi azali hypocrite na makambo azali Goloba. Azali Moyini, il y a Congo, Ndeko, inconnu, à Komelibusso depuis quelque part. Bonjour Maxime, Bengistan. Bonjour, analyse profonde. Molicho, Azali Ko dérangé, Mingi émission, Ndeko, inconnu. À Komelibusso, tu vas continuer, un message à Bayimboka. Bonjour Maxime, Yebisa, Ndeko, Molicho, Ayo Kakasoni, s'il vous plaît. Parce que Ayaka Koutia m'a quitté le mingi dans l'émission, monsieur Magyasu, depuis quelque part, tu as satoké na standard aussi de ko Alain Kabongo. Azali prêt, tout soit Bayimbo Kao Bazali na standard. Allô, bonjour. 082 33 33 700 49, si ça ne permet pas de rejoindre à Bayimboka.
au Bazali na standard na deuxième partie de ko Alain Kabongo. Bonjour de ko Max Molisho a ko voté nani na carte naye wana maman Viviane au comme biso. C'était la moment ya ba téléspectateur na ba auditeur tozongi justement na na plateau tozwa ba imboka nyonso na deuxième partie au on pense biso ma makanisa bango de ko Joseph Mbenza aussi du Koka à Baimboka en gros va retenir nini na manso to siliko loba attends on va dire Baba Kyungu a sala interview mon ami de Kono Peter Chani alobango clairement que biso ba katangé to diriger Congo pendant 20 ans on pouvait faire du Katanga un paradis. Là je rejoins mon homo Joseph, mais aujourd'hui voyez l'état du Katanga dont Joseph a fait 18 ans. Mais pendant 18 ans, il s'est tapé le luxe de construire Kingakati, Kashamata. Ça, c'est la vérité. En 2008, en 2009, en 2018, Bissoto Mixa n'a qu'à être armé à Bissot, plus de 25 000 soldats rwandais. Vous avez dit, M. Obasanjo, Aebisa Misoremo Chibanda, je cite son nom. Abi, en signant cet accord, vous aurez des problèmes. Vous avez dit, M. Aldo Ayelo, Aebisa délégation Kabila Tinda, la négociation, parce que M. Aldo Ayelo a été représentant de l'Union européenne. Ah, il dit, bon, mais vous avez des criminels rwandais dans votre armée. Il a cité un Sultani Makenga, il a cité un Mutebusi qui est sergent dans l'armée rwandaise, qu'on a nommé colonel ici dans l'armée congolaise. Il a cité Bosco Ntaganda qui était caporal dans l'armée rwandaise, qui est devenu général des brigades ici. Alors M. Molisho passe sur la télévision, nous donnant des leçons, nous les gens de l'IDPS. Messieurs, oui, je vais donner des révélations. Parce que ce monsieur nous provoque un peu trop. Aussi, oui, dans 2013, il y a ça qu'on a fait FIB. FIB est la brigade d'intervention rapide à MONUSCO, qui était composée des Tanzaniens, des Malawites et des Sud-Africains, qui ont accompagné les FARDC contre le M23. Mais tant que quatre ici de l'autre côté, mais on a envoyé M. Remo Tshibanda négocier avec le M23. C'est comme ça qu'on a perdu Mamadou Ngala. On a perdu Bahoma à cause de cette situation-là. C'est ça la vérité. Second, ces messieurs, ils croient que moi, je n'ai pas l'histoire. Il y a quelle histoire? Je vous dis, les accords de Rubavu. Attendez, monsieur, tu t'agites pour rien. Ah, ah, il réclame le temps. Je vous dis, ma Congolais, Fatch n'a pas tout fait, mais Fatch a fait l'essentiel. Accordez-lui encore notre confiance. Yannine, notre confiance. Donc, vous faire ôter les mains. Merci beaucoup, Ndoko Joseph Mbenza. Ndoko Claude Molisho. Il n'y aura pas de deuxième mandat. Parce que tu as un courant exacté, maille exacté, salaire exacté, transport exacté, avion, vous avez un la campagne. Et là, comment vous allez de l'autre côté? Lui-même avait dit, si je n'arrive pas à rétablir la paix dans l'Est, j'aurais échoué dans mon mandat. Il a échoué. C'est automatiquement. Papa, est-ce qu'il a raison si Est Nanani? Et puis, il a souvent un mandat à reconnaître qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections là-bas. Parce que, vas-y, va occuper, bon, que combien va tout. Au moins, on va transformer ma borne. Tu as la borne, la mission d'Akia, quand tu vas agresser, il y a eu de précision. Il y a eu de précision. Il y a eu de déplacer ma borne. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et puis, vous avez un deuxième mandat. Deuxième mandat, tu as quoi? Bon, que c'est en gros, il me reste 5 ans, c'est suffisant. Malheur à peuple congolais, il y a eu de pèse. Moi, j'ai conseillé au président de la République. Non, on peut perdre l'été. Malheur à eu de pèse. Vous comprenez? Parce que, en 2019, tu as un espoir que non, Félix, c'est qui dit, nous, les abonnés de Bagnon, sont là, les policiers, qui ont un salaire, qui ont 400 dollars, qui ont un mandat, qui ont une voiture, qui ont un Allemand d'Afrique, effectivement, on va te parler, on y met là. Mais au final, on se dit, ça a co-géré. Vraiment, tout ça, j'ai conseillé à Félix Antoine Tshisekedi, moi, en tant que Congolais, je peux le faire, en tant que Congolais, même si je ne suis pas dans son cabinet. Chef de l'État, avec beaucoup de respect que je vous dois, au Bani, maintenant, on a assez. C'est quand même 100 jours à côté, bandana énergie électrique. Kabila, ça Zongo 2, il fallait qu'on transporte courant, qu'on puisse faire ménage. Il n'y a même pas 3 semaines, il n'y a même pas 2 semaines. Il fallait ça en 2019, on serait déjà loin sur le plan développement rapide, l'implication, il y a économie. J'ai deuxième point après ça, chef de l'État conseil, infrastructure routière, parce que nous avons un vaste territoire. Les routes interprovinciales jusqu'au dans les territoires, à Salia Kagote. 145 territoires de Bandikalelo, aucun n'a Kassangoulo, il n'y a rien. Ni une école, un centre de santé, ni un bâtiment public, il n'y en a pas. N'a Kassangoulo, il n'y a pas. C'est un non, on a souci. Troisième conseil, après ça, qui n'a Félix Antoine Tshisekedi. T'as la naï, quand t'as la naï, il peut m'aider. N'a même ça qui est à investir dans le secteur agriculture.
agriculture, on dit trois secteurs, énergie électrique, infrastructure routière et puis agriculture. On serait déjà très loin à 5 ans. Moi, ce qu'on peut, c'est que nous avons deux ans en présence de la République. Pourquoi vous avez décollé? Donc, Joseph Kajimoulou, c'est le pays des pestes de la malédiction. Merci, cher Maxime. Pour Nakosu Kisa, en tant que républicain, nous avons un Congolais nyonso pour vivre na bomoko bolingwe za la kati na biso mboko yo Congo to ali na bitumba contre biso entre biso na biso te to yali na création rwandaise ou est appuyé na monde entier. Nous devons être vraiment solidement bien équipés, bien travailler à l'interne pour tout ça la face à ma mena ya banguna bakoya na ngoli boso a Congo. Et aussi, ma ponomie, Maxime, les élections en soi, ce n'est pas une fin pour un pays. C'est l'une des étapes qui consolide la démocratie. Nako senga na mutu moko. J'ai aimé les rencontres entre Seni, candidat président de la République. Les gestes de Mukwantombolo, disons, Kampanganze, vous félicitez ce qu'il dit, avec son frère, Martin Fayou. Martin Fayou doit comprendre le message que. En 2028, il est parmi les trois potentiels successeurs de Félix Tshisekedi. Je l'ai dit. Il est parmi les trois potentiels successeurs de Félix Tshisekedi. Yango Tozo Senga, Bamilou, Bamilou, il y a PPRD, Bamilou, il y a Lamouka, Bamilou, il y a un journaliste pro-Kingakati. Soyez intelligents. Je connais Moko, le loi candidat président de la République. Arata akakema être nommé par Félix Pona Bouzoba. Ponani va recommander par Kabila tango ya FCC cash. Mutumoko ya FC na président na lito ya lobby mais oyebi makambo muto ya lobby. Cela veut dire tant toujours attendre ba plateau boy. Ba diverses politiques ba li ba ninga na bisote. Neti ngana ko se permettre na bana ko finga Martin faut pas gana opposition. Non. Na ko pe se dignité na en tant que mutu. Alors c'est que moi je conclue. Je conclue pour dire, Maxime, conclue. Il y a un recrutement politique et belé. Il y a porté candidat Félix Tshisekedi. Donc, le gagnant est déjà connu. Tolingi te lobby. Moutaya Kobi Makenechi Moukwek. Akena Matad. Asalim Pia Kamoko dit jamais vie. Moukwek. Asalim Pia Kanaboma Nandenga Nyama. Yango Toko le Baboy. Monsieur Martin Fayoul, candidat président de la République. Avec tout le respect. Vous êtes parmi les trois potentiels successeurs à Félix en 2028. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, MHz Radio Liberté Kinshasa, rendez-vous des auditeurs, l'unique émission au Nzambe à Fongolaka TV Nati. Bonga lundi ce qui est Sili. A Kangi TV nae a kiko sama kwa mususu biso pe lelo ezaki dernier numéro tosuki a tokokuta na bino semaine prochaine moment ya campagne électorale tozwaki esengo ya kuyambela bino mokolo ya lelo ndeko Joseph Kajingulu porte-parole général ndenge mbo azali koloba ya ACR. Non, j'ai un acte qui met non. Porte-parole général ya ACR ndeko Joseph Mbenza cadre UDPS ndeko Claude Molicho analyste politique Nathalie Minotondi. Merci beaucoup. Vous êtes qui peut ébeler, hein, de partout. Mais Zamba Zola, mais tant que Maurice Azali, Zamba Landakayete, pour m'accueillir. Merci beaucoup, Nabino Nyonso. On a aussi dû participer en direct à cette émission. On a attention soutenir Nabino Nyonso, pour l'émission de Kébi. Ezaki réalisé par Mwamboka Moro Njambe, fiston à tout Ezaki na région d'antenne télévision, Ndeko Irmain Kanyema, cerveau bleu, région d'antenne radio, Alain Kabongo na web, en même temps derrière caméra P na standard, Alain Kabongo, félicitations, hein, vraiment coup de chapeau na travail au Sali Mokolo Yalelo. La production était assurée par Doudou Motiri Hamilton, Moto Afongola, Maboko Nae, Pona Yamba, Bana Yamunga Fula, malgré Namvula, Afongoli Maboko, Alomite. Aya mabana monga fula Doudou Motiri était à la production. Tokute Nabino de la semaine prochaine pour na ba numéro mususu ya émission Nabino rendez-vous l'auditeur
Boutikali Malamu, Namabota Nabino, bon début de week-end chez vous. Au revoir.